Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, l'actualité reste dominée par les tensions et les attentions autour de l'éducation. Les ministres en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique s'attellent à trouver les solutions au blocage observé dans ce secteur moins d'un mois après la rentrée des classes. En Afrique, nous irons précisément en Tunisie où le pays commémore les attentats du 24 novembre 2015 qui ont fait 12 morts dans les rangs des agents de la sécurité présidentielle. Et puis en Colombie, nous verrons que l'État et les forces armées révolutionnaires colombiennes persistent et signent finalement la paix pour mettre un terme à un demi-siècle de guerre qui a fait près de 220 000 morts et 5,7 millions de déplacés. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous ouvrons la page du Gabon avec cette actualité. L'entretien du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matta, accordé ce jeudi à la matinale de Gabon 24. Selon le membre du gouvernement, la structure dont il a la charge est prête à organiser l'élection législative dans les délais fixés par la loi. Le compte-rendu de Linda Gaël Maganga. Le ministère de l'Intérieur du Gabon se dit prêt pour l'organisation de l'élection législative prévue se tenir en décembre prochain. Nous avons obligation, nous, à organiser les élections sur le plan légal, plus de 2 mois avant l'élection, avant le terme de ce mandat. Et le terme du mandat, c'est février, je l'ai dit, et 2 mois, c'est décembre. En ce qui concerne le département de l'Intérieur, mon département est prêt à organiser l'élection en décembre. Toutefois, au regard de certains paramètres non négligeables de la vie politique au Gabon, il est probable qu'un éventuel report soit envisagé. On ne peut occulter, évidemment, la main tendue du chef de l'État, qui a fait référence donc au dialogue politique. Il pourrait arriver que si ce dialogue politique a lieu, que nous puissions naturellement envisager un report de la date du scrutin. Mais je vous ai dit, constitutionnellement, c'est en décembre. Mais s'il y a quelques éléments de nature à faire en sorte que cette élection soit reportée, le gouvernement avisera. En croire le ministre de l'Intérieur, le fichier électoral et le kit relatif seront disponibles dans les délais requis. Réunis autour d'une table afin d'évoquer le rythme des projets qui lient l'Agence française de développement AFD et le Gabon, le ministre du Gabon, de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement et les responsables de cette institution française ont planché ce jeudi sur les points importants de ce partenariat qui vise à garantir un suivi de contrôle de l'exploitation forestière au Gabon et la gestion durable des espaces forestiers. Kenny Onguri, Nina Masunga. Christophe Castel, chef du département division agriculture, développement rural et biodiversité, et le ministre gabonais de l'économie forestière autour d'une table pour faire le point sur un partenariat qui lie le Gabon à l'Agence française de développement afin de faire le tour des questions liées à la filière forestière. Nous avons mis en place en fait un mécanisme qu'on appelle l'accord de conversion de dette, en fait, qui est un mécanisme qui fonctionne depuis les années 2000 à peu près et qui permet de concentrer des ressources relativement importantes sur deux secteurs qui nous semblent être prioritaires. C'est d'une part la préservation des ressources faunistiques et floristiques du Gabon. Et un deuxième point que nous mettons en place aujourd'hui consiste à mettre en concertation les acteurs syndicaux, c'est-à-dire les opérateurs industriels, et l'État, telle sorte qu'il y ait une structure de dialogue qui fonctionne au Gabon et qui permette d'avancer vers une amélioration de la filière. Cette réunion entre les autorités gabonaises et le responsable de cette institution montre bien le climat de confiance qui prévaut entre les deux parties. Cette collaboration et cette confiance que nous avons mutuellement les uns avec les autres nous permet effectivement d'avancer positivement sur ces grandes thématiques que sont d'une part la protection du massif forestier, la protection de la biodiversité, mais aussi l'amélioration des performances de la filière forêt-bois. Cette mission conduite par les responsables de l'Agence française de développement effectuera des visites sur le terrain pour rencontrer les équipes de direction provinciale et de cantonnement en vue de faire le point sur les premières réalisations et les activités à venir pour rendre ce secteur plus attractif au Gabon.
Éducation en bonne place dans la suite de la page du Gabon. Tout d'abord, mouvement d'humeur ce jeudi à l'école normale supérieure de Libreville. Les étudiants et professeurs des lieux ont bloqué l'accès du temple pour savoir, afin d'attirer une attention particulière des autorités compétentes sur leur situation depuis la rentrée des classes 2016-2017. Les explications dans ce constat de Joël Tatou rendu par Sybille Mengue. En colère, les étudiants de l'école normale supérieure ont ce jeudi barricadé et bloqué l'accès à leur établissement. Le refus de leurs enseignants de dispenser des cours depuis le début de la rentrée des classes serait l'origine de leur mouvement d'humeur. L'école normale supérieure n'a pas encore achevé l'année académique 2015-2016, dû au mouvement de grève lancé par le SNEC. Section ENS. Et ce SNEC, section ENS, s'est retrouvé en Assemblée générale le lundi dernier pour prolonger et durcir ce mouvement d'humeur. Donc cette situation inquiète au plus fort les étudiants. Et les étudiants, via la fermeture du portail, interpellent le Premier ministre. Pour les enseignants de l'École normale supérieure de Libreville, la non-satisfaction de l'ensemble de leurs revendications motive la crise qui secoue l'École normale supérieure. Vous avez le problème des étudiants. Si vous allez du côté du personnel Atos, qui a débrayé il y a une semaine, toujours le même chose, vous allez du côté des enseignants, eux aussi vont vous dire qu'ils ont des problèmes. Donc à tous les niveaux, un, la situation globale de la rentrée scolaire affecte effectivement l'ENS. Comme l'ENS n'a pas effectivement assez de moyens pour surmonter ça d'elle-même, l'ENS est emportée par l'ensemble de ces problèmes-là. Les revendications des personnels enseignants, toutes catégories confondues, seraient actuellement sur la table du gouvernement. Possible qu'elles puissent aboutir à des résolutions concrètes dans les jours à venir. Alors que se prépare justement le prochain concours d'entrée à l'école normale supérieure, le ministre de la fonction publique a présidé ce jeudi une importante réunion à laquelle prenaient part ses collègues de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de l'enseignement primaire. Les discussions ont porté sur le statut de l'ENS placé sous la double tutelle de l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Le reportage de Bienvenue Nelkem, Alexandre Nkogé. L'ENS est-il un établissement universitaire ou post-universitaire? S'est interrogé, dès l'entame des discussions, le ministre de la fonction publique du Gabon, Jean-Marie Ogandaga, qui a reçu ce jeudi ses collègues en charge de l'enseignement supérieur, maître Denise Mekamneu, de l'éducation nationale, Florentin Moussavou, qu'accompagnait Lucie Akalan, ministre déléguée en charge de l'enseignement primaire. Objectif: trouver une solution à la crise qui paralyse l'école normale supérieure. Cet établissement, qui forme entre autres les enseignants des collèges et lycées, est placé sous la double tutelle des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Nous sommes dans le budget par objectif des programmes et le premier maillon de maîtrise de la masse salariale, c'est la fonction publique. Il faut désormais que nous suivions non seulement ce qui rentre directement, mais aussi ce qui sont en formation. Parce que souvent, nous oublions que l'ENS, les établissements comme l'IEF, l'ENA, École nationale de la magistrature et bien d'autres, ce sont des écoles d'application du statut général de la fonction publique. Les deux ministres de tutelle souhaitent vivement que les tests qui régissent le système du fonctionnement de l'ENS soient réajustés. L'ENS est un établissement d'enseignement supérieur qui est là pour former le personnel à mettre à la disposition de l'éducation nationale. Il faut donc que nous nous accordions sur le fonctionnement, sur le système de concours, parce qu'il y a le concours interne et le concours externe. Nous sommes venus faire ce point-là. Le ministère de la fonction publique, gardienne de la norme administrative, entend jouer son rôle dans l'élaboration des nouveaux tests devant régir cet établissement. Et puis la première d'une série de rencontres entre le ministre de l'Éducation nationale et les membres de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation a débuté ce mercredi. Il s'est agi au cours de cette rencontre de recherche des solutions aux problèmes de l'éducation au Gabon. Le point de ce conclave avec Gaël Mapessi et Lardine Kemamba. Reviser le protocole de revendication de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACICED, était la principale raison de la rencontre des membres de ce syndicat et du ministre en charge de l'éducation nationale ce mercredi pour envisager des solutions aux problèmes qui minent ce secteur. La rencontre tenue en présence du ministre de la fonction publique n'a pas été du goût des syndicalistes. Pendant que nous avons
une crise. Le premier trimestre est dans l'eau. Et on invite la CONACYSED, qui a posé le problème, qui est en grève, à une séance de travail qui a été programmée depuis jeudi, la semaine passée. Nous sommes pratiquement à jeudi, dans une semaine. Et qu'on n'a pas pu rencontrer le ministre des Finances parce qu'il est où? C'est juste pour nous dire qu'il n'y a rien. Si pour les syndicalistes, cette rencontre s'est soldée par un échec, Florentin Moussavou reste optimiste. Nous venons là de suspendre cette réunion que nous allons reprendre vendredi. Mais je peux vous assurer que les choses se passent dans les conditions de respect mutuel et puis de volonté de construire ce pays. Et donc nous arriverons, j'en suis persuadé, à nous entendre entre Gabonais. Considérée comme la première réunion d'une série de rencontres à venir, le ministre veut par celle-ci instaurer un climat de dialogue permanent entre les acteurs de l'éducation. Afin de rendre opérationnel le nouveau code de la communication, le ministre d'État en charge de la communication a eu une séance de travail ce jeudi avec la direction du Conseil national de la communication. Les détails de cette réunion avec Svetlana Gladys Maganga. Tabler sur les nouvelles réformes dans le secteur de l'audiovisuel, mais surtout présenter le nouveau code de la communication. C'est ce qui ressort de la réunion de travail de ce jeudi au Conseil national de la communication entre le ministre d'État en charge de la communication et le président de cette institution. Il nous a paru indispensable de faire le point avec le Conseil national de la communication et le président du CNC, de sorte que nous lui présentions notre travail, ce que nous faisons pour mettre en œuvre les réformes qui ont été engagées dans le secteur audiovisuel, mais également présenter le nouveau code de la communication dans ses grands axes. Nous mettrons ensemble une commission en place pour travailler à l'adoption de décrets d'application de ce code, mais d'ores et déjà, certaines mesures prévues par le code sont en vigueur. Les différentes réformes lancées par les autorités du pays, telles que la responsabilité des hommes et femmes des médias dans le traitement de l'information, les questions relatives aux délits de presse, sont mises en œuvre afin d'améliorer les conditions de travail des hommes et des femmes des médias. Nous allons mettre en place une commission qui va rédiger les décrets pour rendre cette loi opérationnelle. Mais dehors, c'est déjà, il y a certaines dispositions que nous devons commencer à appliquer. D'abord, recenser les organes de presse numérique, donc pour connaître exactement qui sont ces éditeurs de la presse en ligne, où est-ce qu'ils sont situés, et les rappeler un certain nombre de dispositions qu'ils doivent mettre en place pour être conformes par rapport à la loi en attendant l'arrivée des décrets. Le Conseil national de la communication est désormais instruit de veiller à la mise en œuvre de ce nouveau code de la communication déjà disponible dans les services pour tous les communicateurs. Dans nos murs, un atelier de formation fixé sur 2 jours est destiné aux membres de la Confédération patronale gabonaise. Celui-ci vise la mise en œuvre effective des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les détails avec Ismaël Obianzi. Entreprises et droits de l'homme, ainsi se décline le thème de la formation des membres de la Confédération patronale gabonaise ouverte ce jeudi à Libreville. L'initiative conjointement menée par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et l'Organisation internationale de la francophonie doit consolider les engagements des entreprises et leurs initiatives en matière de responsabilité sociale. L'entreprise ne doit pas seulement être considérée comme une génératrice de profits ou pourvoyeuse de richesses. Elle est aussi un cadre de vie où se côtoient des hommes et des femmes, patrons et employés, des acteurs économiques dans un rapport aussi vertical qu'horizontal. Le Bureau régional de l'Afrique centrale de la francophonie encourage les institutions nationales des droits de l'homme à ouvrir un dialogue avec les entreprises, mieux à le maintenir afin de garantir la protection des droits de l'homme. L'activité économique ne peut se déployer en dehors de toute considération des droits de l'homme. Et ceux-ci ne peuvent s'exercer pleinement s'il n'existe aucun espoir d'employer ses capacités, d'atteindre la prospérité économique et de créer de nouvelles richesses. Bien qu'à ce jour, il n'y ait pas de convention de protection des droits de l'homme imposable aux entreprises, mais leur responsabilité sociale peut être établie à plusieurs niveaux. Bien que les entreprises apportent des avantages à la société à travers la création d'emplois, la production des biens et services et en générant des revenus fiscaux, leurs activités ont parfois des incidences négatives sur les droits de l'homme par leur action ou avec leur complicité. Les défenseurs des droits de l'homme formulent le vœu
que le triptyque protection, respect et réparation constitue la chaîne de valeur à appréhender de façon transversale après le présent atelier. Et pour refermer la page du Gabon, 3 mois après la crise post-électorale, qu'en est-il de l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle dont les bâtiments avaient été saccagés et incendiés? Les chercheurs ont perdu leurs repères. Tout ou presque a été détruit. Nos reporters ont surpris quelques-uns au sein même de l'institution ce jeudi. Retour sur l'IFAMETRA. C'est un reportage signé Kevin Oswaldoukaga, Jospin Bombadianga. Les chercheurs gabonais de l'IFAMETRA, plus que jamais déboussolés après la crise post-électorale qu'a connue le pays. Pour comprendre, voici ce à quoi ressemble désormais l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle du Gabon. Ici, tout presque a été détruit, une destruction qui a touché des données botaniques datant des années 70. Raoul est un botaniste. 3 mois après les casses, il garde en mémoire ce qu'il y avait de plus précieux dans cet espace. Jusqu'alors, il n'en revient pas. À travers un projet de la flore du Gabon, j'ai été désigné d'écrire sur une famille qu'on appelle les Delianacées. Donc, je devrais publier cette famille cette année-ci, mais dommage que j'avais mon manuscrit sur mon ordinateur, et donc dans mon bureau ici, et vu les émeutes du poste électoral, et j'ai dû perdre ce manuscrit donc sur les Delianacées. Et tous les échantillons concernant cette famille ont été consumés par le feu. Même si l'herbier national a pu être sauvé et conservé à ce jour à l'Agence nationale des parcs nationaux, aujourd'hui, de nombreux chercheurs sont dépourvus et s'interrogent sur la relance des activités. L'institution était devenue un centre de recherche en pharmacopée et en médecine traditionnelle. On a été victime d'un incendie. Donc, ce qui veut dire qu'on a perdu tout ce que nous avions comme matériel informatique, quand même documents scientifiques. Donc l'urgence serait peut-être de nous fournir ne serait-ce que le matériel de bureau, le matériel informatique, pour que nous puissions continuer à exécuter, n'est-ce pas, nos activités. Véritable temple du savoir botanique, l'IFAMETRA renvoie au Gabon vert, tant prôné par les pouvoirs publics. La structure créée en 2006 était devenue une référence dans la sous-région. Ouvrons à présent la page Afrique de cette grande session. Tout d'abord en Somalie, avec ses urnes en plastique scellé, ses bulletins de vote en papier et ses cartes d'électeurs soigneusement poinçonnées par les assesseurs. Les élections somaliennes débutées fin octobre ont revêtu ce mercredi le costume de la démocratie, en témoigne ce reportage. Après plus d'une heure de vote, le résultat est unanime. Dans cette commune de Baïdoa, dans le sud-ouest de la Somalie, c'est le ministre Cheikh Moudé qui l'emporte. Parmi les électeurs, un fan club d'une quinzaine de femmes. Je suis très heureuse. Nous avons élu le plus bel homme. Les Somaliens devaient participer à une élection au suffrage universel, mais face aux constantes attaques des Shebab et à l'insécurité dans le pays, le processus électoral a été modifié. Le vote dure depuis un mois et seuls 14 000 Somaliens vont pouvoir voter sur une population de 12 millions. 54 sénateurs désignés éliront dans les semaines prochaines le nouveau président. Souvent, le vainqueur est négocié à l'avance et le vote quasi cérémoniel. Mais dans un pays ravagé par 25 années de violence, ces élections, même imparfaites, sont aujourd'hui vues comme une réelle avancée. Ma voix a compté dans ces élections. J'ai voté pour le bon candidat et il a gagné. Nous sommes très heureux, nous allons faire partie du changement dans notre communauté. Cette élection est juste et bien organisée. Nous sommes heureux parce que c'est la première fois que nous voyons des personnes choisir leur candidat. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le scrutin se déroule aussi en région et pas seulement dans la capitale Mogadiscio. Aucune violence ni attaque des Shebab n'a été déplorée, mais les observateurs ont noté de nombreuses irrégularités. On a vu des exemples d'intimidation, des exemples de candidats qui n'ont pas pu mettre leur nom sur les listes, qui ont été empêchés d'aller physiquement au bureau de vote. Il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. À Kismayo, des chefs du sous-clan Rer Hassan sont en colère. Ils disent que la moitié de leurs délégués ont été remplacés sur la liste, ce que les autorités électorales nient farouchement.
Malgré le petit nombre de candidats, les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs mois. Direction la Gambie, où à quelques semaines de la présidentielle, le lac aux crocodiles en Gambie devient célèbre au regard de nombreux sacrifices qui s'y font par les visiteurs afin de s'attirer les grâces d'une divinité. Mais pour y avoir accès, le passage au musée du pays est obligatoire. Le regard de Mirandangué. Les mares aux crocodiles sacrées de Gambie attirent habituellement des foules de femmes infertiles, en mal de progéniture ou d'hommes d'affaires en quête de prospérité. Mais une semaine avant l'élection présidentielle, les candidats en quête de succès électoraux pourraient bien y chercher bonne fortune. Les gens ne viennent pas ici simplement pour la fertilité. Les hommes d'affaires viennent pour prier pour leurs affaires et les politiciens viennent aussi en général. Beaucoup d'étudiants viennent pour réussir leur examen. Peu importe la religion, les musulmans, les chrétiens, ils viennent tous pour prier ici. Le plus important, c'est d'y croire. Si vous y croyez, ça marche. Ce lieu existe depuis des années et plusieurs personnes y font des sacrifices afin, semble-t-il, de s'attirer les bénédictions des divinités. Les plus grands hommes politiques viennent ici et prient pour gagner l'élection parce qu'ils croient au fait que cet endroit est un lieu saint. Ce lieu existe depuis 1600 ans. Ils font un sacrifice, ils apportent une noix de cola. Nous prenons l'eau de la mare, la portons vers la salle de bain là-bas. Ils formulent leurs vœux. Puis se baignent dans l'eau. Les crocodiles se terrent dans une mare verte, la couleur s'expliquant par une sorte d'algue fine en recouvrant la surface. La présidentielle gambienne, quant à elle, aura lieu le 1er décembre et 3 candidats sont en lice. Au Soudan du Sud, l'ONG Human Rights Watch met en garde contre les atrocités commises dans la ville de Yé, ancien lieu de refuge pour des milliers de Sud-Soudanais, dis-je bien. L'organisation dit avoir recensé des cas de disparition, de tortures et de violences sexuelles perpétrées par les deux parties en conflit. Le récit de Ludmila Tuntum. L'organisme de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a accusé mercredi les troupes belligérantes dans le conflit du Sud-Soudan d'avoir commis de graves atteintes sur les civils ces derniers temps dans la ville de Yéhi. Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils allaient proposer au Conseil de sécurité d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud pour empêcher des atrocités de masse. Mais la Russie a rejeté l'idée et la Chine s'est montrée réticente. Ces deux pays pourraient utiliser leur droit de veto pour bloquer l'initiative américaine soutenue par le Royaume-Uni et la France. Human Rights Watch a pu constater une augmentation des violences à Yen. Et ceci est l'indication que le conflit ne fait que se disperser dans le pays. Avant à Yéhi, il y avait une paix relative. Les enfants pouvaient aller à l'école, différentes communautés vivaient ensemble et en paix. Mais récemment, depuis le mois d'octobre, nous avons pu constater que les soldats du gouvernement et les rebelles ont attrapé des civils. Un an après que les dirigeants du Sud-Soudan aient signé un accord de paix, des civils meurent toujours, des femmes sont violées et des millions de gens ont peur de rentrer chez eux, a déclaré Daniel Bekel, directeur de la division Afrique à Human Rights Watch. L'accord de paix signé le 15 août 2015 convenait que les deux parties forment un gouvernement d'unité nationale, d'intégrer leurs forces et d'établir un tribunal hybride entre autres étapes. Selon l'accord, la commission de l'Union africaine était en charge de mettre en place le tribunal avec du juge et du personnel originaire du Sud-Soudan et d'autres pays d'Afrique. La Tunisie a rendu ce jeudi un hommage officiel aux 12 agents de la sécurité présidentielle tués il y a un an en plein cœur de la capitale dans un attentat suicide revendiqué par le groupe extrémiste État islamique. Pour l'occasion, le président Beji Caïd Essebsi a inauguré un mémorial représentant 3 agents des unités spéciales. Marina Mendeman s'en fait l'écho. Beji Caïd Essebsi a rendu hommage ce jeudi 24 novembre 2016 à 12 de ses agents de la sécurité présidentielle. Tués l'an dernier lors d'un attentat suicide orchestré le 24 novembre 2015 à une centaine de mètres du ministère de l'Intérieur tunisien. Attentat suicide revendiqué par le groupe extrémiste État islamique. Plus tôt dans la matinée, le président Essebsi a notamment inauguré à la caserne de la sécurité présidentielle à Gamart, dans la banlieue de Tunis, un mémorial représentant 3 agents des unités spéciales armes à la main. Nous voulons continuer à présenter nos condoléances aux familles de martyrs et leur dire que vos enfants, les enfants de la nation, l'État doit honorer ses responsabilités envers eux.
En tant que nation tunisienne, nous avons souffert de beaucoup de fléaux. Le chômage, la pauvreté dans les régions et la marginalisation dans d'autres. Mais la chose que nous affrontons, c'est le terrorisme, qui en réalité n'est pas dans la culture tunisienne. On rappelle, au soir de l'attentat suicide contre la garde présidentielle en plein cœur de Tunis, le 24 novembre 2015, l'état d'urgence fut réactivé. Il est en vigueur depuis, sans discontinuer et a récemment été prolongé pour 3 mois. Aujourd'hui, malgré une situation sécuritaire jugée stable par les autorités, des groupes djihadistes restent actifs. Et puis, direction Afrique du Sud, où un ressortissant chinois a été interpellé mercredi par la police sud-africaine à l'aéroport international de Johannesburg en possession de 43 kilos de cornes de rhinocéros d'une valeur estimée à 440 000 euros. Ce vendredi, il comparaîtra devant le tribunal de Cape Town Park et encourt une peine de prison de plusieurs années. Retrouvons Marina Mendeman. À la suite d'une information reçue par une personne anonyme, l'unité d'élite de la police a procédé mercredi à un contrôle de routine et découvert dans les bagages d'un voyageur chinois 18 cornes de rhinocéros pesant environ 43 kilos estimés à 440 000 euros, soit plus de 288 millions de francs CFA. Immédiatement arrêté, le passager est un jeune homme de 28 ans qui était en transit entre la Namibie et Hong Kong. Ce vendredi, il comparaîtra devant le tribunal de Cape Town Park, dans la banlieue de Johannesburg, pour trafic de cornes de rhinocéros, conformément à la loi sur les espèces menacées. Si jamais il est reconnu coupable, il encourt plusieurs années de prison. Pour rappel, les cornes de rhinocéros sont prisées en Asie, notamment en Chine et au Vietnam, où on leur prête des vertus thérapeutiques non prouvées scientifiquement. La corne de rhinocéros est composée de kératine comme les ongles humains et se vend jusqu'à 60 000 dollars le kilo au marché noir, soit près de 33 millions de francs CFA. Son trafic international est interdit depuis 1977, mais cette mesure n'a pas permis d'enrayer le massacre des rhinocéros. L'an dernier, 1342 de ces pachydermes ont été tués en Afrique et ces 8 dernières années, plus de 5000 rhinocéros, soit le quart de leur population mondiale, ont été tués en Afrique du Sud, qui abrite 80% de ces mammifères encore en vie. Pas en reste dans cette grande session les actualités hors du continent. Tout d'abord, cap sur les États-Unis, où le président élu Donald Trump a reconnu ce mercredi que la campagne présidentielle avait été longue et douloureuse, créant des tensions qui ne s'apaiseront pas en un jour. Occasion pour ce dernier d'appeler les populations à consolider les acquis d'un pays uni à l'approche de la traditionnelle fête de Thanksgiving. Lyudmila Tuntum s'en fait l'écho. À la veille de Thanksgiving, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a appelé les Américains à l'unité après la longue et douloureuse campagne électorale qui vient de s'achever, qui a laissé un pays fracturé. J'ai prié pour qu'en cette fête de Thanksgiving, nous commencions à apaiser nos divisions et que nous allions de l'avant comme un pays uni, fort d'un projet commun et d'une volonté véritablement commune. Élu le 8 novembre dernier à l'issue d'une campagne particulièrement acrimonieuse et violente qui a laissé un pays fracturé, cette campagne électorale est désormais terminée. Maintenant, s'ouvre une grande campagne nationale pour reconstruire notre pays et restaurer l'espoir pour tous les Américains, a ajouté Donald Trump. Nous venons de terminer une longue et douloureuse campagne politique. Les émotions sont à vif et les tensions ne s'apaiseront pas en un jour. Cela ne s'effacera pas vite malheureusement, mais nous avons devant nous la chance d'écrire une page de l'histoire ensemble et créer le changement à Washington. De la sécurité pour nos villes, de la prospérité pour nos communautés, y compris dans les villes pauvres. C'est très important pour moi et très important pour notre pays. Mais pour y arriver, nous devons obtenir les efforts de la nation tout entière. Les familles américaines se retrouvent tous les derniers jeudis du mois de novembre pour fêter la Thanksgiving, action de grâce, une célébration marquée par un repas autour d'une traditionnelle dinde. Thanksgiving, ou l'action de grâce, est une fête de plusieurs pays qui généralement célèbrent les récoltes et rend grâce à Dieu des bonheurs reçus pendant l'année. Et puis la Colombie entend avancer sur le chemin de la paix en signant un accord négocié avec la guérilla des FARC après le rejet du précédent par référendum, texte qui sera cette fois ratifié par le Parlement. Miran Dangé.
Le texte, revu avec la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie et conclu le 12 novembre, moins de deux mois après le rejet du précédent, sera présenté aux parlementaires pour la signature prévue à 16h GMT au Théâtre Colomb. Sa ratification sera débattue la semaine prochaine avant que le Congrès légifère sur sa mise en application. Les députés sont élus, ils sont censés représenter le peuple. Donc ça serait légitime de le faire par le biais du Congrès, des personnes élues par le peuple. Ce serait plus approprié et moins risqué qu'un référendum. Mais l'opposition qui a farouchement fait campagne contre la première mouture de l'accord en brandissant le spectre d'un futur régime castro-chaviste inspiré de Cuba et du Venezuela proteste contre cette procédure. Je ne suis pas pour que le Congrès approuve le nouvel accord de paix parce que les Colombiens ont voté dans un référendum pour le non et maintenant ils vont signer un accord sans nous consulter. Déterminé à parvenir à une paix complète, Juan Manuel Santos, actuel président, tente par ailleurs d'engager aussi des pourparlers avec l'armée de libération nationale, dernière rébellion encore active mais qui refuse de relâcher préalablement ses otages. Retenons sur cette actualité que le président Juan Manuel Santos et le chef de la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC, Rodrigo Londono, ont finalement signé ce jeudi la paix sous des applaudissements avec des bolligraphes stylos fabriqués à partir de balles de conflit pour clore plus d'un demi-siècle de guerre. Le rappel des titres à présent avant de refermer cette grande session. Au Gabon, l'actualité reste dominée par les tensions et les attentions autour de l'éducation. Les ministres en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique s'attellent à trouver les solutions au blocage dont observé dans ce secteur moins d'un mois après la rentrée des classes. Nous l'avons vu en Afrique, en Tunisie, où le pays commémore les attentats du 24 novembre 2015 qui ont fait 12 morts dans les rangs des agents de la sécurité présidentielle. Une commémoration pleine d'émotions. Et puis en Colombie, l'État et les forces armées révolutionnaires colombiennes persistent et signent finalement la paix pour mettre un terme à un demi-siècle de guerre qui a fait près de 220 000 morts et 5,7 millions de déplacés. Voilà donc, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.